On va peut-être commencer par la salle de psychomotricité. On a de la chance quand même d'avoir une grande structure ici, pour 44 enfants, on a vraiment cette chance-là. Donc, venez voir ici déjà la salle de psychomotricité. Qu'est-ce qu'on fait? On a de la visite, les enfants. Dalia, tu veux montrer au copain? Oui, très bien, Jade. Et là, tu peux passer dessous. Donc, la crèche des Fresnes est un équipement du secteur 6 de la ville de Grenoble, dans le quartier de la Villeneuve. Nous accueillons 44 enfants, donc nous avons deux unités. Ces unités sont composées d'un lieu de vie, où nous pouvons, par chance, faire des coins pour mettre les enfants en activité. Cette salle, là, on fait l'accueil du matin et l'accueil du soir ici. Comme ça, ça permet aussi aux enfants des deux unités de se retrouver. Hein. Oui, Jade. Il y a des crocodiles, où ça? Ils sont où, les crocodiles? Les enfants vivent en collectivité et c'est pas toujours évident. Hein. Donc c'est important par moment de les prendre par groupe de 2, 3, 4, 5 enfants pour favoriser l'interaction langagière entre l'adulte et l'enfant et pour aussi que l'enfant puisse faire des animations et des jeux où il se sente plus en sécurité. Parce que parfois le grand groupe fait peur en l'enfant. Voilà, on a de la visite, les copains. Donc là, on a essayé de recréer des coins. Comme ça, ça permet à l'adulte d'être, même chose, en interaction avec l'enfant d'une manière plus individuelle. Donc du coup, dans cette structure, il y a des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, des personnes qui ont un CAP petite enfance et des agents techniques, une secrétaire et moi-même, donc la directrice, je suis infirmière puéricultrice. Donc tout ce monde est vraiment important pour faire fonctionner cette structure. Par groupe d'enfants, il y a, en suivant les horaires, 3 ou 4 personnes pour, donc, comme je vous disais, 22 enfants. Donc voilà l'autre groupe, donc un petit peu différent. Alors les bébés dans le parc, c'est bien un moment, mais dès qu'ils commencent à partir à quatre pattes, c'est bien qu'ils soient aussi dans la salle. Mais s'ils sont dans la salle avec tous les grands qui bougent à côté, ça peut être un peu dangereux, d'où l'intérêt d'avoir vraiment des coins. Et là, elles en ont fait un où il y a à la fois un tapis pour un temps calme, à la fois les puzzles. À côté de ces deux unités de vie, nous avons la chance aussi d'avoir une salle de peinture pour accueillir un groupe de 4-5 enfants, par exemple, pour faire de la peinture, du crayon, des graines aussi. Vous avez fait quoi, Kenza? Qu'est-ce que vous avez fait? La peinture ou du crayon? Tu te rappelles plus? Des dessins? Voilà. Et puis là, le petit coin dinette, déguisement, ils adorent ça. Donc ça ressemble un petit peu comme à l'école, finalement, hein, les petits coins. Pour les grands, il y a les petites étiquettes pour savoir qui dort à tel ou tel endroit. Parce que notamment pour ceux qui viennent, enfin j'allais dire même pour tous, hein, pour ceux qui viennent régulièrement ou irrégulièrement, le lieu où ils sont pour dormir, c'est très important.